J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vous reviens pour une nouvelle collaboration avec Shein. C'est la deuxième ce mois-ci, donc je suis très contente. J'ai choisi plein de petites choses. Ma première sélection, je vous ai présenté plein de choses pour la maison. N'hésitez pas à aller les voir, les vidéos sont juste avant. Et là, ben, j'ai choisi des choses pour la maison, mais aussi des choses pour... je crois que j'ai choisi des vêtements aussi. Et j'ai aussi passé une commande sur le site de Shein parce que je voulais racheter un petit sac pour Lily pour l'emmener en vacances avec moi là bientôt. Et Kira, tu peux éviter de manger le lit de Lily s'il te plaît, hein? Voilà, donc écoutez, tous les liens des articles seront en barre d'infos. Vous avez aussi un code promo si vous avez envie. Je suis encore malade au niveau de la voix, c'est pas encore ça, mais ça va venir. Je me sens beaucoup mieux, donc je suis trop contente. Je me suis maquillée enfin, donc ça fait du bien. En plus d'avoir eu mon malaise, on est vendredi, c'était jeudi dernier, j'ai fait un malaise et j'étais à l'hôpital, j'étais pas bien. Et lundi, j'ai fait une grosse crise d'asthme. Heureusement, j'ai mon médecin qui est adorable. C'est une femme formidable. Et elle m'a bien aidée. Et puis, les traitements m'ont fait du bien. Donc là, je me sens d'attaque. Je ne vais peut-être pas faire toute la vidéo aujourd'hui parce que je vais juste vous présenter un petit peu. Mais pas tout parce que j'ai mon petit cutter impeccable. Donc, j'ai choisi encore un petit plateau comme ça. C'est un plateau qui voilà, derrière, vous voyez, il tourne. Pour mettre le fromage dessus, ou autre chose, hein, ou un gâteau, ce que vous voulez. Et je l'ai trouvé super joli, donc j'en voulais un autre. J'en ai pas comme ça, avec un truc qui tourne comme ça, j'en ai pas. Ça, je trouvais que c'était vraiment très pratique. J'avais envie de petites choses pour la maison. Attendez, il faut que je vous montre aussi parce que j'ai reçu la dernière collaboration, une imprimante thermique. Elle est super, je suis trop contente. Et là, en fait, j'ai envie d'être organisée avec mon téléphone parce que j'ai trop de choses, trop de recettes de cuisine sur mon téléphone. Et je me suis demandé comment faire pour pouvoir... pour que ce soit bien organisé et tout. Donc j'ai décidé de tout imprimer en fait et de tout mettre dans des pochettes. Mes crochets, mes modèles de crochets, je les mets dans des pochettes de crochets. Mes recettes de cuisine, les légumes. En fait, je vais faire des listes. Là, je voulais aussi, parce que j'ai envie de faire des photos. J'avais acheté un cadre et j'ai toujours pas mis de photos dedans. Et c'est trop mignon. Alors attendez, je vais vous montrer. Dedans, il y a plein de feuilles comme ça. Et même pour mettre des étiquettes sur les pots, pour plein de choses, vous voyez. Donc, c'est une petite imprimante qui se présente comme ça. Et elle est trop mimi. Je vous la montrerai sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, je vous montrerai comment ça marche. Pour l'instant, je ne vais pas... C'est vraiment... Là, je vous montre, je déballe tout parce que j'ai pas le temps. Mais il faut que je vois comment ça marche avant de vous le montrer parce que... voilà, donc c'est cool. Un autre truc aussi comme ça qui est... Alors ça, c'était plutôt pour imprimer des étiquettes. Et celui-là, c'est plutôt pour imprimer les photos. Bon. J'ai vraiment fait le plein parce que sur Shein, vous voyez, vous avez de tout. Hein. Moi... Ici, là, je sais pas si vous allez voir, mais ici, ça, là, c'est un projecteur que j'ai piqué à ma fille. J'aimerais bien en avoir un aussi. Et quand je fais mes séances de pilates, je projette ma vidéo sur le mur. Et comme ça, il faut fermer un petit peu la fenêtre quand même pour que ce soit plus sombre. Et comme ça, je peux faire mes séances de pilates avec le projecteur. Et on l'a eu sur Shein aussi, je l'avais reçu, c'est ma fille qui l'avait choisi. Et donc je l'ai emprunté comme elle est à la maison en ce moment. Et voilà, du coup j'ai pris une petite imprimante comme ça, c'est trop mignon. Bon, je vais pas l'ouvrir, je vous la montrerai plus tard. Là c'est vraiment, je déballe tout parce que j'ai besoin, j'ai pas trop de temps. Je voulais juste regarder ce qu'il y a dedans. J'ai pris un petit, ça c'est des petites chemises comme ça pour être tranquille à la maison. Hein. C'est du même pour voyez, comme là je vais partir chez ma soeur pour aller, on va peut-être faire une petite, en général on se fait toujours une petite
une petite après-midi où on va à la plage pique-niquer. Et donc, pour mettre un maillot de bain, et c'est assez transparent, c'est assez léger, c'est du gaz de coton, vous voyez. Mais même avec un soutien-gorge blanc ou beige, ça passe, hein, franchement, trop contente. J'aime beaucoup, je vous l'essaierai tout à l'heure aussi. J'ai choisi aussi un petit... Ah, celui-là, j'ai trouvé trop joli. C'est un gilet. Il faut que je le repasse. Je vais repasser parce que je ne veux pas vous essayer des vêtements qui ne sont pas repassés. Je trouve qu'on ne peut pas se rendre compte. Donc, c'est un petit gilet qui est juste magnifique. Il est trop, trop beau. Je l'aime beaucoup, celui-là, avec une petite lanière. En printemps-été, j'aime bien porter des gilets parce que je trouve que les manteaux pour la demi-saison, ben c'est un peu trop chaud. Et donc là, c'est vraiment parfait. Et surtout aujourd'hui, on a une journée encore une fois magnifique. Ça, c'est un ensemble. Oh là là, ça, je vais trop trop bien dedans. Celui-là, je le voulais. C'est un pantalon, comme un petit pantalon de survêtement, vous voyez, avec des petites poches. Et vous avez le petit haut qui va avec. Ouais. Pour être tranquille à la maison, et c'est très joli. Ouais, et c'est resserré sur les côtés et c'est très confortable. J'avais envie d'avoir des petites tenues pour être bien à la maison. Je vais essayer ça. C'est une jupe, une robe chemise. Alors elle est en synthétique. En été, malheureusement, c'est vraiment des matières qui sont trop ben, on ne respire pas dedans, donc on transpire trop, c'est pas agréable, mais en mi-saison ça peut être super sympa. Je vais la repasser et je vais vous la montrer quand même parce que j'ai envie de la tester. Ça fait longtemps que je la vois sur internet, je la trouve trop jolie et j'ai dit allez, je tente, on verra. Et les manches sont chauve-souris, donc je vais vous montrer, je reviens. Alors je trouve que les chaussures ne vont pas du tout avec, donc il faudra que je trouve une autre paire de chaussures. Mais sinon, regardez, la jupe, la robe, elle se présente comme ça. Je crois qu'elle est un peu transparente aussi. Donc, plus avec, ou des petites chaussures plates, des petites ballerines. Mais sinon, elle est super jolie. Je me suis mis une glace, là. Ou c'est, en fait, c'est la glace qui me défend. Je sais pas, je ne me rends pas compte, en fait. Par contre, je la trouve très jolie, mais je pense que ça ne va pas du tout avec ses chaussures. Voilà ce que ça donne. J'aime bien, mais pas avec ses chaussures. Et enfin, il faut que je vois ça un peu plus tranquillement parce que là, c'est vrai que je suis un peu à la bourre. Ah, ça, c'était beau aussi. C'était un petit un pull. Je vous essaierai ça plus tard aussi. Un pull avec chemise accrochée, vous voyez. Ça, c'est sympa avec un bien. J'aime bien porter ça avec un pantalon large, un pantalon noir de costume. Avec ça, je trouve que ça fait très habillé. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai pris ça aussi. J'ai choisi aussi, c'est un pantalon hyper ample, transparent. Vous voyez, il est un peu transparent aussi. C'est quelque chose que l'on peut porter aussi sur la plage. Ouais, ça, et c'est ouvert, ouais, c'est très joli. Ça, je vais l'emmener chez ma soeur. C'est trop joli, j'aime bien aussi. Par contre, c'est transparent. C'est enfin, pas transparent. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est très joli, mais voilà, plus pour peut-être pour le bord de la mer, on essaiera ça plus tard. Et comme dernier vêtement, c'est une robe à manches courtes, vous voyez, qui est très légère aussi. Ça, c'est pour emmener encore une fois au bord de la mer. Ou quand il fera bien chaud, je serai super bien. Je vous essaierai ça tout à l'heure. J'ai choisi... Alors, je crois que c'est mes petits pots que j'attends ou que j'adore. Je les ai vus sur internet et j'ai dit c'est trop joli. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir mettre des choses dedans. Et je les trouve trop beaux. Et je crois que j'en ai recommandé aussi. Vous voyez, en fait, vous avez le pot. Et vous pouvez... Vous avez la petite cuillère qui va sur le côté. Je trouve ça magnifique. Voilà. Du coup, j'en ai choisi deux comme ça. Je trouve ça très, très beau pour mettre dans la cuisine, pour mettre mon gomasio ou pour ranger le sel, ce que vous voulez. Voilà, c'est très, très bien. Très joli. Et là, il semble en avoir deux.
Et ça, c'est quoi? DIY. Ah, ça, c'est pour ma fille. Elle avait, cet hiver, elle avait choisi une maison en qu'il faut monter en bois, comme ça, c'est pour faire des DIY. Et elle fait ça, là, tout le temps. Et dedans, il y a de la lumière et tout, mais c'est trop mignon, quoi. Et elle m'a demandé si elle pouvait pas en prendre un autre. Donc, voilà. Donc, elle a choisi celui-là. Et vous voyez, ça se présente comme ça. Il faut tout construire. Ça prend du temps parce que c'est tout des petites pièces miniatures. Et c'est très ludique, c'est vraiment très sympa. Je vous montrerai la photo, mais vraiment, j'ai été bluffée, je trouve. C'était trop mignon. Donc, j'en ai pris un. Et ensuite, le nouveau petit pot qui se présente comme ça. Je trouve ça trop joli, trop beau. J'en ai commandé d'autres, hein, parce que il me semble, de toute façon, j'en recommanderai d'autres parce que je trouve ça magnifique. J'adore. Même pour mettre la moutarde, vous voyez, trop joli. Très, très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces pots. Et un dernier produit qu'il y a dedans, mais je crois qu'il me semble que je vais recevoir un autre colis demain. C'est pour ça, je vous continuerai la vidéo plus tard. Un saladier. Regardez-moi comme il est magnifique. C'est tout. Moi, j'adore le bois. J'adore le bois. Et j'ai trouvé que ce saladier en bois, comme ça, avec le bois dessous, là, je trouve que c'était trop joli. Vous pouvez mettre des salades de fruits. Mon mari fait des super salades de fruits. Vous pouvez y mettre vos fruits, ce que vous voulez. Il est trop joli. Vous pouvez servir une salade de légumes, une salade de riz. Trop, trop beau. J'adore. Vraiment, je suis bluffée par toutes ces petites pépites que l'on trouve sur Chine. Vraiment, il y a vraiment de très très belles choses. Donc écoutez, on se retrouve plus tard, hein. Là je dois partir, mais il me semble que je vais recevoir notre colis demain. Donc je continuerai demain et en même temps je vous montrerai ce que ça donne au niveau des vêtements. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bisous.